Bonjour à tous, chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Stéphane Gère. Bonjour Stéphane. Bonjour Arthur. Bonjour. Comment te portes-tu depuis. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours qu'on a fait la première vidéo? Écoute, je passe par des moments, machin, mais ça va. Pour la Non. liberté avance, il y a plein C'est ça. d'activités, ça réagit. Ouais, c'est ça. Donc, les choses sont positives et je suis ravi que ce soit positif. Il se passe plein de choses. C'est super. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, on va reprendre sur un thème assez enfin, facile, en tout cas suffisamment pour l'aborder en deuxième épisode, et qui est surtout très important d'un point de vue méthodologique. Et la question qu'on va se poser, c'est l'économie est-elle une science? Tu sais, souvent, dans on va dire, les discussions de comptoir, en soirée, avec des amis, à la télévision, n'est-ce pas, dans les médias subventionnés. On se demande souvent si l'économie est une science, et souvent on tend à dire que c'est pas très très robuste, quoi, que c'est pas forcément Ouais. très solide, que c'est même une science très très molle, comme on dit. C'est souvent on fait la Ouais. comparaison science dure, science molle. Ce que je te propose, c'est de reposer un petit peu la situation actuelle, ce qu'on peut appeler économie mainstream. Quelle est un peu la doxa sur le sujet? Si tu permets, j'aimerais passer 1 ou 2 minutes Dis-moi, ouais. sur pourquoi ce sujet est important. Parce que tu l'as évoqué, c'est important, mais il me semble que c'est encore. Enfin, faut vraiment le appuyer, si tu Ok, permets. allez. C'est important de se poser une question. C'est pas une question académique ou de théorique. C'est au contraire, comme tu l'as dit, discussion de comptoir, les gens voient bien que ce que les économistes ou les journalistes qui sont censés être informés nous disent souvent tombe à l'eau. Les prévisions ne se voient pas. Les théories vont d'un côté, d'autres vont de l'autre. C'est très flou tout ce sujet. Et pourtant, c'est à partir de toutes ces théories que Bercy fait ses prévisions, que là, on parle de croissance, qu'on justifie des interventions politiques et étatiques, etc. Et pourtant, comme tu le dis, la question de la science n'est pas du tout résolue, en tout cas sur les bases que les journalistes et autres utilisent. Nous, on va arriver pour dire l'économie telle qu'elle est pratiquée dans le mainstream, comme tu dis, n'est pas une science, alors que elle pourrait l'être. Et ce qu'on propose, bien sûr, avec le Mises Institute et autres, c'est justement une vision de la théorie économique qui est scientifique. Donc le point consiste à dire, alors qu'on pourrait avoir une démarche scientifique et s'appuyer sur des résultats scientifiques, il n'en est rien, en fait, dans le mainstream, et c'est pas un hasard. Et donc, en fait, on nous baratine en faisant croire que, bon, ben, c'est scientifique, mais ça l'est pas, et on fait ce qu'on peut. Et ce qu'on va voir, c'est que le mainstream se pare de scientificité en mathématisant l'économie, alors que C'est ça. paradoxalement, cette mathématisation, pardon, n'a rien de scientifique en fait. On va voir que c'est pas très robuste et on va proposer autre chose. Donc sur le mainstream, puisque c'était ta question, Ouais. c'est un peu le point que tu viens déjà d'aborder. Qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre beaucoup de gens qui vont faire des modèles, C'est qui vont ça. parler d'équations, Les qui vont hypothèses. introduire des hypothèses, qui vont introduire des grandeurs, C'est le ça. PIB ou le PNB, le taux de ceci, C'est le taux ça. de cela. Je pense que le PIB, produit intérieur brut, est une assez bonne caractéristique qu'on rencontre souvent. C'est C'est ça. censé mesurer la production nationale et à partir de là dire bah, si quelque part l'économie est bonne ou pas, si on produit assez ou pas. Donc on introduit des notions comme celle-là, dont tout le monde, je pense, a entendu parler. Et en fait, quand on creuse un peu, quand on s'intéresse sur la façon dont les notions comme celle-là, des grandeurs qui passent, qui semblent être, comment dire, un peu comme des unités en physique, Oui. en fait, ne correspond à rien de très solide. C'est une espèce d'amalgame qui n'est pas le même dans tous les pays. Les règles de calcul ne sont pas les mêmes. Ça mélange la production et des choses qui sont étatiques. Il y a tout un fatras là-dedans. Ça. Et donc, on vient nous abreuver de chiffres, de théories et de, comment dire, d'affirmations qui, en fait, ne reposent que sur du sable.
Et un grand truc dans cette approche, cette modélisation mathématique, c'est que les économistes mainstream, qui sont quand même beaucoup des keynésiens en réalité, ou néo-keynésiens, enfin bon, qu'importe à la rigueur, ils passent beaucoup par des corrélats, des relations qui seraient constantes entre ce qu'ils manipulent, donc des agrégats, des grandeurs. Ça, c'était le grand truc de Keynes, hein, des agrégats, la consommation, l'emploi, le bon d'accord. Et il y aurait donc des relations constantes, mais fondamentalement, il n'y a aucune loi qui ne se dégage de cette approche, quoi. Il n'y a pas de théorie indiscutable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein d'écoles, de courants, de machins. Chacun y va de ses agrégats, de ses corrélats. Et donc, ça nous questionne, nous, Autrichiens, sur la pertinence de la vérification empirique, statistique, et sur l'existence, hein, de ces relations soi-disant constantes. Nous, ce qu'on nie, évidemment, on va l'expliquer après. Oui, tout à fait. Alors, en toute honnêteté, parce que je sais que c'est un peu fondé. Je connais mal par cœur les équations du monde à terre, si je puis dire. Mais Oui. néanmoins, il est bien connu que Keynes, par exemple, a introduit une équation voilà, et assez simple, qui essaie de décrire de manière macroscopique, comme tu dis, des invariants de l'économie. Parce qu'une équation, c'est ça. Quand on dit AX est égal à BY, c'est pas exactement l'équation, mais elle a cette forme-là. Forcément, on suppose qu'il existe un A, un X, un B et un Y, bon, déjà, qui peuvent éventuellement varier dans le temps, peut-être, mais qui, au bout du compte, quand on les combine comme ça, font un invariant. Bon, donc il y aurait quelque chose dans l'économie qui serait un invariant, puisque une équation, c'est ça que ça veut dire. Quelque chose qui est toujours égal, qui est toujours vrai, qui est toujours identique. Mais pourtant, quand on regarde autour de soi, quand on regarde un petit peu la perspective de toi de l'histoire, on comprend bien quand même que il y a la fameuse croissance, ne serait-ce qu'en prenant ça, tu vois, il y a la fameuse croissance. Et la croissance, par définition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente le nombre de richesses qu'il peut y avoir à notre disposition. Je fais très simple, hein, mais quelque part, c'est le concept. S'il y a de la croissance, alors on ne peut pas être tout le temps dans un monde qui ne varie pas. Tu vois, il y a forcément quelque chose qui évolue. Donc, c'est juste pour dire qu'on repose sur des théories comme ça qui se donnent l'aspect d'une rigueur mathématique, etc., mais qui est déjà pleine de contradictions, puisque on va chercher de la croissance alors qu'on te dit que le monde est quelque part invariant. Bah, c'est parmi les contradictions internes, hein, de tous ces systèmes d'agrégats, de corrélats, empiriques. Et justement, pour contrecarrer un peu le truc, bah, on va commencer à parler de la fondation scientifique qui est introduite par Mises. Et il parle notamment du fait que la statistique, qui est aussi très présente, hein, tu parlais de modèles, de statistiques, d'hypothèses, tout ça, ça mesure des faits historiques précis. La stat décrit, mesure des faits dans le passé. Mais elle ne dégage pas de loi. Elle ne dégage pas. C'est Non. pas une approche a priori à la stat. C'est pas une Non. science, quoi. Est-ce Tout qu'on à peut peut-être fait. commencer à parler de ça? Tout à fait. On voit tous les statistiques de nombreuses formes, l'INSEE et l'Institut national de la statistique et de la science économique, un truc comme ça. Mais enfin, l'un des S, c'est statistique. Donc, on est clairement dans un monde où la statistique est partout. Et pourtant, la statistique, c'est quelque part un instrument qui n'est absolument pas scientifique. Je ne dis pas que les statistiques ne peuvent pas servir à la recherche et à l'étude. Tu fais des statistiques pour essayer de comprendre ce qui se passe sur certains phénomènes, pour trouver des tendances. Avec les cours, tu imagines ce qui peut bien se passer. Très bien. Donc, en recherche, c'est utile. Mais une fois que tu as compris ce qui se passe et que tu es capable de le décrire et qu'effectivement tu as pu identifier des lois, ce qu'on fait en physique, par exemple, hein, tu n'utilises plus, en physique, on n'utilise pas la statistique. Bon, pas de manière normale, pas en mécanique en tout cas. Parce que justement, on a atteint le point où on a des lois. Okay? On a pu faire de la statistique avant pendant la recherche, mais après, on n'utilise plus les statistiques. Donc le fait qu'on utilise encore les statistiques montre bien qu'en fait, on est en manque de lois, comment dire, de choses qui soient certaines et qui relèvent de la science. Tout le sujet. Donc, paradoxalement, plus on va se réfugier dans la statistique, moins en fait on est en train de faire de science. Et clairement, Mises, tu as raison, il dénonce cela et il va chercher à mettre en place une démarche qui, elle, relève de la démarche scientifique. La démarche axiomatico-déductive, qu'on appelle C'est ça. praxéologie, science de l'action humaine. Et donc là, il part vraiment avec une démarche a priori.
On quitte vraiment ce champ inductif, empirique, des agrégats, des stats, tout ce monde-là mainstream qu'on dénonçait juste avant et qu'on décrivait juste avant. Et là, on parle d'un axiome, l'action humaine. On ne peut pas ne pas agir. Le dire est déjà une contradiction en soi. Et donc là, on déroule après le fil par rapport à ça. On en a parlé un peu il y a 15 jours ensemble, de la praxéologie de Mises, forcément, quand on a introduit le AE. Peut-être que là, on peut tout simplement dérouler un peu le fil. L'idée, je te propose de prendre un exemple très très simple qui est celui de l'échange, parce qu'en fait, on parle d'économie et le mécanisme fondamental qui est partout dans l'économie, c'est celui de l'échange économique, hein, c'est le commerce quelque part, hein, tout Bien sûr. simplement. On peut difficilement parler d'économie sans s'intéresser à la façon dont le commerce fonctionne. Et le commerce au sens large n'est jamais qu'un échange entre deux personnes, que ce soit monétaire, que ce soit un contrat, c'est toujours un échange. Et ce que dit Mises pour donner cette démarche scientifique, il consiste à dire, bien, déjà, il y a une action, il y a un échange, c'est l'échange qui lui-même va déterminer ce qui se passe ensuite, et il va décrire l'échange. Mais il dit, il y a un échange, et si toi et moi nous échangeons, c'est que fondamentalement nous y avons un intérêt, donc, et que donc on y trouve de la valeur tous les deux. Bon, on en a déjà parlé, c'est quelque chose de très simple. Mais c'est cette démarche qu'il met en place, c'est-à-dire il décrit ce qui se passe. C'est Ça. une analyse purement qu'on dit objective de ce qui se passe, comme un physicien a pu décrire, tiens, j'ai un pendule qui bascule, je décris le phénomène du pendule, ce qui se passe, j'essaie d'y trouver des équations et des propriétés. Là, c'est la même chose. J'observe qu'il y a des échanges, et s'il y a un échange, alors il y a de la valeur. S'il y a de la valeur, je peux ensuite éventuellement parler de prix, parce que les C'est ça. prix se forment à partir de la valeur. Je peux imaginer parler de monnaie, parce que la monnaie va venir porter une partie de la valeur qu'il y a eu dans l'échange. Je dis des choses très fines, mais juste pour dire que on ne fait que décrire ce qu'on observe, comme en physique, et on décrit des propriétés des phénomènes de l'économie, comme en physique. D'accord? Sauf qu'en physique, on finit par avoir des équations parce que, voilà, en praxéologie, ce ne sont pas des équations, ce sont des déductions logiques, ce que tu disais. Mais c'est la même démarche, en fait. C'est exactement la même démarche. Et il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de grandeur qu'on invente, dont on ne sait pas trop d'où elles viennent. On observe ce qui se passe, on voit que finalement, l'économie, c'est des échanges. On parle des échanges et on en tire les conséquences. On part, en fait, le seul agrégat, c'est l'individu qui agit, qui échange. On constate qu'il y a un tissu d'interrelation, que effectivement la valeur est subjective, qu'elle fait émerger un prix au sein de l'échange. Prix n'est qui n'est pas la valeur, hein. Il ne faut pas confondre valeur et prix. Oui, le prix est une notion tout à fait intéressante, tu as raison d'appuyer dessus. Le prix est un rapport. C'est ça. Quand on fait un échange, enfin le prix, pardon, le prix est un rapport. Le rapport qu'il y a entre la valeur de la monnaie, okay, et la valeur de tout ce qu'on peut payer avec la monnaie, quelque part. Tout ce qu'on peut payer avec la monnaie, c'est un certain prix. Allez, je vais aussi parler de prix moyen, d'accord, en termes de monnaie. La monnaie, elle a une certaine valeur par rapport à tout le reste. Ce rapport de deux valeurs, c'est un prix. Si je dis que mon pain vaut, allez, une chocolatine vaut 3 euros, ça veut dire que la valeur qu'on accorde généralement à une chocolatine est trois fois moins que la valeur qu'on accorde généralement à 1 euro. Et ce qu'on peut faire avec 1 euro. C'est ça que ça veut dire. C'est un rapport de valeur. La valeur du euro par rapport à la valeur de la chocolatine, l'écran, le temps, machin. C'est ça le prix. Ce qui est intéressant donc, c'est de noter que chez lui, il précise bien que on ne fait pas d'expérimentation en économie. On n'est pas dans un laboratoire à manipuler des éléments et obtenir des réactions certaines. Il y a trop de complexité et par conséquent, et d'ailleurs, on peut l'expliquer par plein de choses différentes. Déjà, on ne peut pas déduire donc de lois économiques de la sorte. J'en ai parlé un petit peu avant, mais avec des stats, des modèles qu'on pose comme ça, des agrégats. On ne part pas de la réalité. Tu parles souvent de la réalité, du concret, de l'individu. On ne part pas d'ici. Tu parlais juste avant du libre arbitre, enfin, quand on s'est parlé un petit peu avant du fait qu'il fallait qu'on en parle tous les deux aujourd'hui, que c'était important. On va en parler du coup.
Mais quand on part d'expérimentation et dans un cadre de laboratoire, on oublie complètement le libre arbitre et le fait que les gens évoluent, changent, ont des préférences subjectives en évolution. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que bah, finalement l'expérimentation pour nous n'a pas de sens et qu'au contraire, C'est c'est une sûrement hérésie. important. Voilà. Oui, c'est ça. C'est important, je pense, de le comprendre Ouais. parce que beaucoup de gens vont nous tomber dessus sur ce point. Oui. Et encore une fois, dans le contexte d'une tentative d'approche scientifique, il faut comprendre pourquoi la démarche empirique, donc l'expérimentation, concrètement, où on fait des expériences pour essayer d'en déduire des choses, ne Induction, peut pas. Voilà. Exactement. Ne peut pas convenir en économie. Tu as parlé du libre arbitre, tu as tout à fait raison. Pourquoi? Parce que si on imagine faire une expérimentation sur une même population deux fois de suite, en théorie empiriste, on devrait espérer obtenir le même résultat. En tout cas, c'est la logique. OK, c'est pas forcément comme ça, stupide. Sauf qu'on oublie qu'entre-temps, ben, les gens qui participent à l'expérience la première fois, peuvent changer la vie la deuxième pour tout un tas de raisons, parce que voilà, il y a une humeur, il y a un contexte, ils ont ça. hésité la première fois, ils hésitent dans l'autre sens la deuxième fois. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a aucune raison particulière de supposer qu'à deuxième fois, ils vont réagir de la même manière. Donc les choses sont différentes. Donc on va avoir forcément des résultats différents. C'est de toute façon une raison. Une deuxième raison, c'est que de toute façon aussi les gens apprennent, il y a l'apprentissage. Donc peut-être qu'ils ont compris la première mise en situation, ils ont fait certaines choses et puis en fait ils ont réfléchi entre-temps, ils ont eu de l'information, ils ont discuté entre eux, que sais-je. Et ce qui fait que la deuxième fois, parce qu'ils ont appris des choses, de l'information, ils vont encore une fois décider de faire autrement. Et ne serait-ce que ces deux raisons-là, d'accord, fait que de toute façon, imaginer, expérimenter. Bon, on peut toujours le faire, si tu veux, hein. Ça suppose aussi qu'on soit capable de faire des expérimentations sur les mêmes populations, ce qui est quand même compliqué, mais bref. Mais on sait déjà à l'avance qu'il n'y a aucune raison d'espérer que les gens se comportent toujours de la même manière. On n'est pas des robots. Et comme on n'est pas des robots, on ne peut pas se comporter comme en physique avec, ben voilà, on fait une expérience, un petit mécanisme, les mécanismes vont fonctionner toujours de la même manière. Là, ce n'est pas le cas. C'est Donc, ça. on ne peut pas faire d'expérience, on ne peut pas employer des méthodes de type expérimental pour espérer de tirer des lois en économie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et donc on n'aura pas, nous, de conclusion quantitative et on n'aura pas, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la fin de la fin, pas beaucoup de recommandations à faire à ces messieurs de l'État. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'Autrichiens inscrits dans le cadre universitaire. On a qui d'ailleurs en France? On a Serge Schweitzer, je ne sais pas s'il est encore en activité. Serge Schweitzer, il est plus ou moins à la retraite, mais effectivement, Mais c'est il a été ça. actif. C'est ça. La figure, je pense, il y a un certain nombre d'acteurs, mais la figure en France, on a la chance d'avoir à l'Université d'Angers, Jörg Guido Hulsmann, Hulsmann, ouais. Qui a écrit un qui nouveau est, bouquin récemment. voilà, mais que je sache, c'est le. Alors, je ne vais pas dire parce qu'il nous écoute que c'est le seul Autrichien, ça serait mentir, il y en a d'autres. Il y a aussi Renaud Filleul à Lille. Mais tu D'accord. vois, ça se compte sur les doigts d'une main. En tout cas, les figures importantes sont en nombre très, très limité. Ce n'est pas un hasard si en France, il y a peu d'Autrichiens. C'est évidemment très lié au système universitaire français. Très clairement. Ah, clairement. En tant qu'outil de formation des masses et voilà, même de formation de certaines Ça. élites plus tard, c'est pas très arrangeant d'avoir des gens qui sont de facto peu, voire pas interventionnistes. Et excuse-moi de te couper, mais ça Dis-moi. renvoie à mon introduction du tout début, quand on disait, attention, le mainstream dit être scientifique, mais ne l'est pas. C'est directement lié, parce que, évidemment, Oui. des gens comme Piketty, hein, qui est aujourd'hui certainement emblématique, clairement, nous, on va passer notre temps à montrer que tout ce que dit Piketty, ou aussi Esther Duflo, ne sont que des sottises. Je pèse mes mots, hein, je pèse mes mots. Ah oui. Et forcément, c'est dérangeant pour ces gens-là et pour tout le tissu universitaire qui est financé par l'État et qui est là pour produire de la documentation, des livres et autres, qui sont là pour attester que l'interventionnisme économique de l'État est une bonne chose. Alors que nous, on vient justement nous dire et de montrer que non, 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 ça n'a pas de sens, ça ne repose que sur du sable et donc ça ne peut pas être une bonne chose pour tout le monde.
C'est ça, et c'est assez terrible parce que du coup, ça veut dire qu'on continue de financer, je dis on, enfin c'est pas nous, hein, mais malgré nous plutôt, bah, des gens qui embrassent une lignée qui justement n'est pas scientifique, quoi. On continue d'alimenter la Exactement. machine non scientifique, et donc moi ce que j'appelle un peu l'obscurantisme économique, quoi, malheureusement. Oui, c'est de l'obscurantisme, bien sûr. Oui, Ça fait un peu. c'est de la. Mais, tu sais, c'est François René qui a écrit Magie blanche et magie noire. On est dans le domaine de la magie noire, avec tout ce que ça C'est ça. veut dire. On est clairement dans la magie noire. Ça se dit être scientifique, mais en fait, c'est de la magie et c'est malfaisant. Donc, c'est de la magie noire. En tout cas, je voulais quand même qu'on aborde un petit peu la question de la distinction entre histoire et économie qui est soulevée dans l'article et Menger, dont on a parlé il y a une semaine. Font clairement hein, une distinction entre ce qui est, enfin, ce qui relève des lois économiques et les faits historiques. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette histoire, c'est que ça met bien en exergue la différence d'épistémologie, en fait, hein, entre un raisonnement logique a priori, nous, versus une approche empirique et inductive, quoi. On retrouve bien ce truc-là chez les historicistes qui n'ont pas compris que les faits historiques révèlent tout de même des principes sous-jacents. Donc peut-être qu'on peut en parler un petit peu. J'ai l'impression qu'à droite, parfois, ça bloque un peu. Il y a tout un courant un peu identitaire, très attaché à l'histoire. C'est l'histoire qui pourrait démontrer des choses, faire des raisonnements. Non. Absolument. Non. Il y a Allons-y. effectivement beaucoup de confusion sur ce point. Et effectivement, ceux qui voient les choses de cette façon-là, donc l'école historiciste, comme tu dis, mais aujourd'hui c'est encore une réalité, ne voient pas pourquoi on ne peut pas faire ce genre de choses. Alors ça se traduit de nombreuses façons et beaucoup, par exemple, te diront... L'histoire se répète, il faut qu'on tire les leçons de l'histoire, Ça. l'histoire montre que on sait bien par l'histoire que ceci. Les gens ne comprennent pas, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la répétabilité. Les gens ne voient pas que l'histoire ne peut pas se répéter, même si on peut imaginer qu'il y a des phénomènes et des situations qui font qu'effectivement il y a des cyclicités apparentes dans l'histoire. C'est pas blanc et noir ce que je dis. Mais l'histoire ne permet pas de tirer des lois, des conclusions, des Ça. enseignements définitifs en matière d'économie, et même, ça va plus large que ça, c'est même en sciences humaines, plus largement, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et pourquoi? Pour tout un tas de raisons, mais qui se ramènent quelque part à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que, on ne peut en général pas, on ne peut en général pas, il y a des exceptions, on peut y venir. On ne peut en général pas dire que des faits qui se sont passés dans l'histoire vont se repasser ou vont nous donner exactement d'enseignements identiques sur les circonstances qu'on peut connaître aujourd'hui. Parce que les circonstances sont en fait, dans leur réalité, extrêmement complexes. Et donc, il est très difficile que hier, les circonstances soient les mêmes qu'aujourd'hui ou demain. Déjà, les circonstances. L'état de l'humanité, le savoir de l'humanité, les préférences, les cultures, l'état de la monnaie, les savoirs vont être complètement différents. Donc c'est très très difficile de dire que les circonstances sont les mêmes ou même analogues, d'abord. Et puis encore une fois, c'est pas parce que les gens, à un moment donné, ou des gens en particulier, ont pris des décisions dans le passé, que les mêmes, que des gens équivalents vont reprendre à nouveau les mêmes décisions et donc que les choses vont se passer de la même manière. On ne peut pas raisonner comme cette façon-là. C'est pas si simple. Pour autant, j'ai dit qu'il y avait des exceptions. Il est possible, et l'école autrichienne prétend être capable de tirer des enseignements à valeur historique, mais elle le fait de manière très différente. L'exemple peut-être le plus marquant, c'est ce qu'on appelle l'ABCT. Austrian Business Cycle Theory, la théorie du cycle économique selon la vision autrichienne, qui en substance, on ne va pas développer ici, dit que la monnaie ou le problème de la monnaie, de combien, d'avoir trop de monnaie, peut conduire à des crises monétaires qui vont se répéter parce qu'en fait, les circonstances seulement liées à la monnaie suffisent pour déterminer qu'il va y avoir une crise monétaire. Donc, tu vois, là, on est capable de dire il y a une répétabilité parce qu'on va réduire le champ à se focaliser uniquement sur un fait objectif qui est l'état de la monnaie, de la masse monétaire, juste ça, et non pas toute la situation
économique d'un pays. On est sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple, mais néanmoins, on est capable de dire, attention, la crise de 29 s'explique par un problème de monnaie, la crise de 2008 s'exprime par un problème de subprime et de monnaie. On est capable de dire, voilà, des circonstances très, très précises amènent à telle chose de manière très précise. Mais de là à généraliser sur l'histoire et à dire, voilà, ce qui s'est passé en 1918 ou en 1945 pourra se reproduire demain, on ne peut pas faire ça. Il y a trop de variabilité, les circonstances sont trop compliquées et les hommes sont incertains. On y revient tout le temps. Et c'est pour ça que, en fait, fondamentalement, je pense que ce qui n'est pas perçu, alors bien sûr, c'est la démarche, hein, bien sûr, mais c'est que finalement, même, enfin, on peut prendre tous les faits historiques qu'on veut, ou les événements économiques liés à l'histoire qu'on veut, bah, ils sont tous sous-tendus, enfin supposés, permis par les catégories de l'action humaine, quoi. Donc la recherche de, je sais pas, de l'utilité, la préférence temporelle, ça joue toujours. On parle du Tout à 19e fait. Tout à ou de fait. maintenant. La subjectivité de la valeur au 19e, ça existait aussi maintenant aussi. Les principes économiques qu'on suppose, nous, qu'on tire du réel, qui sont déduits et qui ont valeur de proposition synthétique a priori, bah, tout ça, finalement, c'est toujours valable, existant, quelle que soit l'époque, quoi. Et je pense que quand on n'a pas pigé ce truc-là épistémologique, on passe forcément à côté. Et je soupçonne aussi qu'il y ait des affects historiques et Bien des. sûr, C'était ce côté bien très sûr. idéologue. Oui, je comprends, mais parce que forcément, ces gens-là vont chercher dans l'histoire des moments de gloire ou de grandeur, je suppose en tout cas, C'est ça ne serait pas possible, oui. surprenant, et qu'ils cherchent, et dont ils cherchent à comprendre les circonstances pour être capable de dire est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous amener à une grandeur comparable? Je pense que c'est ce genre de raisonnement. Voilà, c'est Et possible. ça s'entend, ça s'entend. C'est-à-dire, Oui. on aspire à une grandeur, on a connu les Trente Glorieuses, on a connu le développement du 19e siècle, des choses comme ça, je fais simple. Napoléon est considéré comme un moment de grandeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui a déterminé cette grandeur? Et qu'est-ce qui peut nous amener aujourd'hui à reconnaître cette grandeur? C'est ça. C'est une démarche qui se conçoit, c'est Bien une sûr. démarche qui se conçoit, mais il faut, encore faut-il la prendre de manière complètement réaliste, et c'est là où ça, c'est défaillant. Après, si tu me permets, les Autrichiens vont parfois faire, tu as évoqué la préférence temporelle, juste titre, les Autrichiens vont quand même parfois tenter de faire des extrapolations sur des choses, et notamment Hoppe est connu pour avoir utilisé le concept de préférence temporelle pour identifier des facteurs tendanciels sur la préférence temporelle, ce qui est une démarche qu'on sait comment rationaliser, okay? Facteur tendanciel, bon, pour en tirer des enseignements, cette fois-ci par exemple sur l'évolution de la civilisation, c'est ce qu'on a dans la démocratie. Donc, juste pour dire que parfois, les Autrichiens vont faire ce genre de démarche et d'analyse aussi, mais la différence, c'est qu'ils le font sur un outillage méthodologique rigoureux. On sait ce que c'est que la Ça. préférence temporelle. C'est lié au comportement individuel et non pas des comportements de groupe dont on ne sait trop parler. Et ensuite, on fait juste une analyse tendancielle liée à des circonstances qu'on sait expliquer. Et de là, on tire des conclusions. Donc, la démarche est complètement rationnelle. C'est pas juste, ah, voici, il s'est passé ceci à telle époque. Donc, voyez-vous, c'est en fait, on est dans la même situation que cette époque-là. Donc, il va se passer la même chose. Donc, ça, c'est du bricolage. C'est là vraiment qu'on se rend compte, hein, de l'importance vraiment du tandem épistémologie-méthodologie. Si on n'a pas le bon outillage à la base, On dit des on va bêtises, tout forcément taper à simplement. côté, quoi. Disons que. Oui, c'est fait. Enfin, oui, parce que si, parce que ça fait ces gens-là ensuite bâtissent tout un tas de programmes, d'idéologies, de Bah, c'est machin, mais ça. qui, encore une fois, sur du sable. Et C'est je me permets ça. d'insister, je comprends très bien les gens qui, voyant la défaillance de la situation actuelle, Bien sûr. aspirent à un meilleur, c'est tout à fait légitime. Et donc se tirent dans l'histoire en disant, tiens, 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 on a quand même connu meilleur par le passé. C'est Qu'est-ce qui a ça. fait que ce meilleur a pu exister? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour retrouver ces conditions-là? Je pense que c'est tout à fait légitime. Ah, totalement. Mais Totalement. encore faut-il le faire de manière rigoureuse. Et de la même manière, tu disais, l'histoire ne nous enseigne rien. C'est dans cet esprit-là. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire de manière macro, avec ce genre de raisonnement, on ne peut rien en tirer.
Par contre, si on décline la théorie économique de manière rationnelle et qu'on essaie de voir s'il y a des tendances, comme j'évoquais tout à l'heure, là, on peut commencer à parler. Mais ce n'est pas du tout la même démarche. Ce n'est pas du tout la même démarche. Mais c'est vrai que j'essaie de trouver des angles d'attaque, notamment d'ailleurs en me reliant parfois à l'histoire et à des périodes plus prospères où j'essaie de montrer que mine de rien le marché était un petit peu plus libre, la monnaie un petit peu plus Ben, vivace. et bien sûr. Et voilà, mais c'est vrai que c'est Moi, pas facile. je crois beaucoup, pour Ouais. lire aussi beaucoup de Molinari, qui est la deuxième moitié du 19e siècle, j'observe, même si ce n'était pas parfait, mais j'observe que la deuxième moitié du 19e siècle en France et en Europe a été particulièrement prospère. Ce n'était pas parfait. Bien Mais sûr. c'est certainement dans l'humanité la période la plus prospère qu'on ait jamais connue. J'ose proposer cette conviction. Pourquoi non? On peut tout de suite se demander pourquoi. Et très vite, on voit qu'il y a eu, bien sûr, des conditions de liberté qui n'ont rien à voir. Donc encore faut-il étayer le lien qu'il y a entre la liberté et tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est que se tourner sur le passé pour essayer d'identifier des choses comme ça et en tirer des conclusions, je pense que c'est une saine démarche. Mais encore faut-il mettre le doigt sur les vrais facteurs qui ont conditionné le succès de telle période. Sur ces bonnes paroles, je ne sais pas si tu voulais ajouter un point de détail à notre conversation, mais je pense qu'on a Non, non, retracé non, l'article dans je ces... crois. Non, non, je crois que le message qui consiste à dire on ne fait pas tout ce travail sur la théorie, sur la scientificité, comme tu l'as dit, juste parce que ça fait plaisir intellectuellement, parce que ça fait bien, etc. Non, c'est pour répondre à des vraies questions qui sont, d'abord, ne pas se laisser enfumer par le baratin des journalistes et des économistes de C'est comptoir, ça. etc. C'est ça. Déjà, y voir clair. Et pour répondre à ce besoin que certains peuvent avoir, qui disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver la prospérité? C'est légitime. C'est Absolument. légitime. Mais il faut le faire avec, comment dire, avec une assise. Et donc revenir sur l'action humaine, le libre arbitre, C'est ça. l'apprentissage, la statistique, ça ne fonctionne pas. Et juste pour être capable d'espérer trouver des conclusions qui soient les vraies conclusions, tout simplement. Donc en conclusion, on peut dire qu'il faudrait plus de Mises, moins de Piketty, pour plus de science et moins d'obscurantisme, quoi, si je te suis. Oui, c'est ça. Et Voilà. pour aussi que les gens qui aspirent à la prospérité puissent effectivement comprendre où elle vient et donc à partir de là, œuvrer pour la retrouver, tout simplement. Tout simplement. Bah écoute, Stéphane, je te remercie pour cette discussion. Et puis écoute, on se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, tu me diras. Hein, comment est-ce qu'on s'organise pour une prochaine vidéo, soit sur un nouvel article du Mises, soit sur un article de Liberali, ça mettra aussi en avant ton blog, on verra, ou même sur un article de Repossession, si Adam veut mettre un article en avant, qu'importe à la rigueur, tant que l'écosystème libertarien tourne et que chacun trouve midi à sa porte et que les accords contractuels, privés, volontaires sont établis, c'est OK. Voilà. Il y a plein de choses à discuter, je pense, donc pas C'est de ça, problème. 100%. Bah Et écoute. merci à toi pour les échanges. Je pense que c'est important qu'on croise les échanges, effectivement. Absolument. Quant à vous, je vous incite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous rendre sur Mises France, le lien sera en description, sur Liberali, le blog de Stéphane, et pensez bien à vous abonner, poser des questions, et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!